Coucou tout le monde, je commence ce vlog déménagement fin août. Je vais faire un peu comme j'avais fait il y a 2 ans quand on a changé de continent. Je vous avais fait un peu, je vous avais filmé en amont pour vous montrer un peu l'envers des décors, parce que vous, quand vous verrez ça, ben tout sera fait, on aura tout déménagé, le résultat sera là. Mais je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous montrer un peu, voilà, l'envers du truc, parce que bon, sur les réseaux sociaux, on voit toujours le résultat final, puis on voit pas toujours le bazar que ça a été d'arriver à ce résultat. Nous sommes fin août et normalement, ça y est, c'est officiel, fin septembre, et encore non, le 20 septembre, on doit rendre cette maison à notre propriétaire. Un jour avant un événement que j'ai là pour mes fleurs et mon petit stand de fleurs, alors que la veille de rendre la maison, il va falloir que je coupe toutes les fleurs et que je les mette au frigo. J'y réfléchissais ce matin parce que je suis allée dans mon jardin arroser et puis couper des fleurs parce que je les coupe au fur et à mesure pour pas que ça monte en graines, pour que ça continue de fleurir, parce qu'il faut encore qu'elles fleurissent au moins un mois. Si on déménageait pas, si je laissais pas le jardin, avec une petite boule dans le ventre quand même, parce que j'aime beaucoup ce jardin, même si c'est pas le nôtre. J'aurais pu encore avoir des fleurs encore pendant 2 mois si je continue à faire ça, à couper régulièrement les floraisons pour pas que ça monte en graines, pour continuer de ramifier les plantes zinnias et en avoir d'autres. Donc là nous sommes fin août, voilà, normalement c'est officiel. J'ai prévenu mon éditrice qui n'a pas eu peur, ça va, je lui ai dit. En fait j'avais jusqu'au 15 août pour soumettre le manuscrit et ensuite jusqu'en décembre on peut terminer les photos. Parce qu'en fait le bon à tirer est envoyé en décembre. Sauf que là je vais essayer de finir mon manuscrit avant fin septembre parce que plus j'écris plus je sais quelles sont les photos dont j'ai besoin. Et en fait les photos je les fais dans cette maison ici. Et après quand on va rendre la maison, ben, j'aurai plus accès aux photos. Donc la couverture du livre par exemple, il faut que ça se fasse ici. Donc ça sera pas jusqu'en décembre qu'on a, c'est jusqu'à fin septembre. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça enlève 2 mois. Donc j'ai envoyé un petit message, elle était en vacances. Chloé, je m'excuse encore si tu vois cette vidéo. Et elle était en vacances et je lui ai dit, écoute, j'espère que tu verras ce message. C'était un DM sur Insta. À la fin de tes vacances, mais quand tu rentres de vacances, est-ce que tu peux prévenir la directrice artistique? Il faut qu'on fasse un point en couverture rapidement parce que je dois la shooter avant fin septembre. Après, on sera dans les cartons, tout ça, on sera plus ici, donc ce sera impossible. Ce matin, mon mari est en présentiel, il est pas en télétravail, donc je suis allée poser Louis. Louis a repris sa petite école. Diane est à la sieste, j'ai eu du bol ce matin, j'ai réussi à faire coïncider le retour d'école et sa sieste, donc ça veut dire que là, a priori, j'ai 2 heures pour travailler. Bon, j'ai quand même pris du temps pour aller m'occuper du jardin, mais ça fait partie du coup du boulot finalement, j'ai pas le choix. Ouais, le mois de septembre va être un mois de folie, vraiment de folie. On a 2 mariages, au milieu de ça, ce week-end, mon mari a 1 enterrement de vie de garçon, donc il est pas là tout le week-end. Et les week-ends, c'est là où j'arrive à bien bosser, parce que du coup, là, comme il sait qu'on ma deadline, là, c'est fin septembre, et ben, au lieu de bosser voilà, le soir ou pendant les siestes, je bosse aussi tous les week-ends, donc c'est lui qui prend les enfants à ce moment-là. Parce que la semaine, bah, il travaille, même quand il est en télétravail, il travaille quand même. Donc je bosse quand il a 5 minutes, mais surtout voilà, pendant la sieste ou le temps calme, parce que Louis ne fait plus la sieste. Et le soir, mais j'avoue que le soir, je suis juste épuisée en ce moment. Comme Diane se lève 3 fois par nuit et que je dois du coup lui donner la tétée 3 fois par nuit. Donc on a tous ces événements, donc ça veut dire beaucoup de week-ends qui sautent. On a le déménagement, on a la deadline de mon livre du coup, et on a l'anniversaire de Louis. Donc il y a un week-end, à un moment donné, on fait une fête d'anniversaire pour Louis avec ses copains, donc il y a un week-end ou un des 2 jours qui sera pris voilà, toute la journée, quoi, parce qu'il faut tout préparer. J'essaie de pas paniquer. Mon éditrice m'a dit, écoute, t'as fait un livre avec un bébé, je pense que tu peux faire un livre avec un déménagement. Bref. Louis est à l'école et je vais essayer de mettre le turbo les matins où il est à l'école. On va y arriver. Le seul truc un peu dommage, c'est que du coup, quand on déménage, souvent, ça coûte de l'argent, hein, clairement. Et j'ai dû dire non à pas mal de collaborations. Moi, les collaborations, j'ai remarqué, elles viennent au printemps, donc en lien direct avec les plantes. Les collaborations un peu lifestyle, j'en ai en septembre aussi, pour la rentrée. Et ensuite, des collaborations encore, j'en ai des offres qui sont intéressantes. En fait, des offres, j'en ai toute l'année, mais des offres vraiment intéressantes qui... J'en ai plus et du coup, il y en a parmi qui sont intéressantes, j'ai plus de choix. À Noël ensuite, pour les cadeaux de Noël. Donc là, c'est dommage, c'est la deuxième période, je vais pas pouvoir en accepter beaucoup. Pas que j'en accepte beaucoup, parce que bon, je suis quand même assez pointilleuse et puis de toute façon, ça me prend du temps. Mais ça permet quand même de mettre du beurre dans les épinards et d'aider du coup durant ce processus de déménagement. Bon, du coup, je pourrais pas tout faire. Je signais pour le livre, autant financièrement c'est pas un truc hyper avantageux, mais autant ça me fait trop plaisir de le faire, et j'adore, vraiment je suis pris de passion pour créer ces objets, cet objet libre. Donc voilà. Nox. Nox, il se demande où est-ce qu'on va cette fois.
Mon petit chat. La dernière fois qu'il a vu les cartons, on a fait 11 heures de vol, alors je suis pas sûre qu'il soit bien rassuré là. Ah non, en fait j'ai rien dit. Ça met juste avec le scotch. Je profite de ces images pour vous en dire un petit peu plus parce que je me rends compte que j'ai encore rien expliqué et qu'avec les clips qui suivent, vous allez rien comprendre. En fait, nous avons acheté une maison. Du coup, je suis en train de regarder les couleurs. Pour la première fois de ma vie, je vais peindre une maison qui est à nous. C'est assez surprenant, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai des détails bientôt sur YouTube puisque c'était, vous en avez déjà parlé, c'était pas vraiment prévu. C'est un peu compliqué. Je vous expliquerai mieux. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va faire la dernière inspection de la maison, c'est-à-dire qu'on va refaire un tour dans la maison pour bien voir toutes les petites choses qui peut-être nous a manqué. On fait ça avec notre agente. Ils ont enlevé, là, le propriétaire a déménagé et l'agente qui vendait la maison a enlevé les meubles. Vous savez, ici, quand on vend les maisons, on ne les visite pas vides. Les agents, ils ont des meubles de location et ils meublent la maison pour, je sais pas, donner envie aux gens, montrer comment est-ce que l'espace peut être aménagé, etc. Je sais pas, les gens ont du mal peut-être à se projeter. Et puis, voilà, c'est une meilleure façon de vendre. Tout est bon pour vendre des trucs ici. Donc, mon agente m'a dit, il a déménagé. Donc, nous sommes samedi. On a déjà signé la vente cette semaine et on récupère les clés lundi. Il me dit là, il a déjà déménagé de propriétaire, donc on peut faire l'inspection ce week-end quand vous voulez. Pour bien voir maintenant qu'il n'y a plus de meubles, bien regarder, je ne sais pas, les murs, s'il y avait des choses qui étaient cachées, peut-être des défauts cachés, on ne sait pas. Donc on est super content parce qu'en plus, ça sera la première fois qu'on verra la maison de matin. La maison a une lumière de folie toute l'après-midi puisqu'elle est orientée est, ouest, sud. Donc c'est une maison hyper lumineuse. Ce que j'aime et ce dont j'ai besoin pour le moral. Et du coup, ça va me permettre voilà, de la voir pour une fois le matin et de voir aussi le jardin le matin où se situent les zones d'ombre, où on pourra prendre le petit déjeuner, etc. Voilà, parce que je commence à réfléchir à tout ça, même si vous inquiétez pas, il y aura une série rien que là-dessus. On va repeindre la maison et on va enlever au plafond le popcorn, vous savez, les petits trucs en gouttes. Je crois que je l'ai déjà dit dans The Log, je ne me souviens plus. Et pour choisir les peintures, bah, c'est pas facile parce qu'en fait, moi je voulais un blanc, alors pas un blanc chirurgical, salle d'opération. Merci pour les mauvais souvenirs personnellement. Donc non, je voulais quelque chose un petit peu riche, un blanc un petit peu cassé, mais je voulais pas un truc coquille d'œuf parce qu'en fait, dans la maison ici, la maison est hyper jaune et j'en ai marre. En fait, et j'ai trouvé des couleurs en ligne, et donc je me suis déplacée au magasin Benjamin Moore, c'est la marque de peinture qu'on va utiliser. Et du coup, il y avait un livret juste pour tous les blancs cassés, etc. Ça n'a pas été facile à choisir, j'en ai choisi 3, mais je ne sais pas si vous allez voir ici. Je vais vous faire un close-up. J'ai choisi White Dove, Swiss Coffee, qui a un petit peu du jaune en fait à l'intérieur, je m'en suis. Elle disait que non, c'est plutôt taupe. Mais le problème, c'est que les chambres sont au sud-est, donc ça, bon, bah, au pire, un blanc avec de sous-tons taupe, ça va pas sortir trop jaune. Par contre, un blanc avec des sous-tons taupe côté ouest, donc cuisine et salon, qui est baigné de lumière, ça risque de faire ressortir le jaune. Donc j'étais pas sûre, et du coup, j'ai pris aussi un autre qui s'appelle White Winter, qui est un petit peu dans les tons, dans les sous-tons gris bleuté, un peu froid, parce qu'il disait notamment sur le site Benjamin Moore que quand on est plein ouest, en fait, il faut arriver à contrebalancer la chaleur, la lumière très chaude avec des sous-tons froids, ce que je voulais pas aller au départ. Parce que la maison est un petit peu plus moderne, enfin, elle fait un peu moderne, et du coup, c'est pas que j'aime pas le moderne, mais je préfère l'ambiance cottage, maison de famille, mais ça peut être une bonne idée pour contrebalancer. Donc on a fait nos petits échantillons et quand on aura les clés, on fera des tests sur les murs avant de se lancer dans la peinture le jour d'après parce qu'il faut que tout sèche avant qu'on emménage. J'ai pris aussi Wind's Breath qui est alors là carrément vraiment plus foncé, plus taupe, mais je l'ai vu dans une autre maison qui a été vendue dans ce lotissement. Les maisons sont toutes les mêmes, c'est un lotissement où toutes les maisons étaient faites de la même manière. Donc en fait, j'ai bien aimé, par contre ça sortait un peu gris, mais la maison était orientée plein est et plein nord, donc peut-être que chez nous ça va être bon. Donc je l'ai pris pour le tenter. Je
Je suis revenue cet après-midi avec les enfants, sans les enfants, pardon. Ce matin, je suis venue faire des échantillons de peinture et je pensais avoir choisi ma couleur et là, je ne suis plus sûre de rien. C'est un peu compliqué. Alors, voici les trois couleurs que j'avais mis au mur, que j'avais choisi de swatcher au mur. Donc, celui-là, c'est celle que j'aime le mieux. Ça fait un peu crème à la vanille, on voit pas trop ici, avec un sous-ton un peu taupe, mais assez clair. Ici, on a un sous-ton taupe plus foncé, ça se voit. Limite un peu gris, mais comme on est sur une pièce plein ouest, là il est 5h de l'après-midi, donc on a le soleil. Enfin, la pièce est assez chaude, lumineuse. Même si on n'est pas le 21 juillet, hein, on est fin août, mais quand même. Mais enfin, même début septembre. Et j'avais swatché celui-là qui est un blanc avec un sous-ton un peu plus frais, un peu plus froid, pardon. On le voit ici et on le voit ici aussi près de la porte. Ici. Et moi j'étais partie sur cette couleur pour toute la maison. Et en fait, je trouvais que c'était un peu trop taupe. Et en fait, je me suis rendu compte que cette couleur, peut-être près de la cage d'escalier, elle va peut-être trop contraster avec le bois couleur miel et surtout la moquette qui, jusqu'ici, était plutôt discrète, je trouvais. On ne l'a pas trop remarqué. Mais j'ai peur qu'elle ressorte beaucoup trop maintenant si on est sur une couleur aussi claire. Alors que là, je me dis, ça peut faire la transition avec la couleur. Je m'explique. Une fois que la maison va être beaucoup plus claire, il y a des éléments qui vont ressortir de folie. Par exemple, ça va ressortir. C'est pas forcément mes couleurs, mais je ferai quelque chose plus tard. Et la cage d'escalier aussi. Sauf que la cage d'escalier, autant ça peut être assez simple à repeindre, autant la cage d'escalier, s'il faut tout poncer, etc. Peut-être enlever le machin là. Ça va être un peu plus compliqué à repeindre. Donc, et en plus, elle est en bon état. Alors que le manteau de la cheminée, j'ai vu qu'il y avait quelques taches d'eau. Donc j'aurais un peu moins de... Je vais vous montrer là. On voit une décoloration. J'aurais un peu moins d'amertume à la poncer moi, à faire ça moi en mode do it yourself, en mode DIY, parce que voilà, c'est un petit peu abîmé. La cage d'escalier, elle est plutôt nickel. Ici, habitait avant un homme célibataire, donc pas d'enfant, alors peut-être une vie sociale, hein, sûrement, mais un peu moins de passage que quand on a une grande famille. Et les moquettes sont nickel. Alors moi, c'est pas mon kiff, la moquette, je préfère ce sol qui est génial, que j'aime beaucoup, et qui en plus n'est ni gris, ni jaune, ni rouge, donc qui nous laisse finalement pas mal de liberté en termes de couleurs. Mais la moquette, voilà, elle est en bon état. On va la faire shampooiner avant de venir, avant de s'installer, ne serait-ce que pour mes allergies, les acariens, tout ça. Et pour les enfants, enfin bref, je pense que c'est bien. Mais on n'est pas prêt de la changer, tout simplement pour une question évidente de budget. On ne va pas pouvoir mettre du parquet partout. Et du coup, on va sûrement laisser cette moquette là-haut pendant plusieurs années. Hein, jusqu'à ce... Et en même temps, s'il y a des gros travaux, des grosses choses à changer dans la maison, ce n'est pas une priorité pour nous, clairement. Du coup, jusqu'à présent, on l'a trouvée assez discrète parce qu'en fait, la couleur de la maison prend un peu le dessus quand on arrive. C'est la première chose qu'on voit. Tellement que c'est jaune, beige, voilà, c'est pas trop mon kiff, mais voilà, c'est assez présent. Et du coup, ça se fond pas mal. J'ai peur que si on part sur un truc aussi clair que ça, elle ressorte de folie. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on aille dans une couleur un peu plus foncée. Et celle-là, c'était un bon compromis, c'est-à-dire que le sous-ton n'est pas jaune et le sous-ton n'est pas gris non plus. Quoique, je l'ai vu dans une maison ici que notre agente a vendue il y a quelques semaines. Elle m'a laissé rentrer dans la maison pendant que les peintres étaient en train de tout refaire. Et ils l'ont mis cette couleur de partout. Et ça ressortait un peu gris. Sauf que la maison est orientée nord-est, ce qui n'est pas notre cas. On est sud-ouest pour la plupart, sauf notre chambre qui est à l'est. Donc là, on a plutôt le sous-ton taupe qui ressort, ce qui est pas mal non plus, et qui peut faire une bonne transition. Donc je suis en...
Ouais, je suis vraiment embêtée. Des problèmes beaucoup plus graves, hein, on est d'accord. Hein. Là, je tiens à le souligner, j'en ai tout à fait conscience. Mais comme je me dis qu'on refait peindre toute la maison par des professionnels parce que c'est très haut et qu'on va enlever le pop-corn au plafond, eh ben j'ai envie de faire ça bien parce que c'est une dépense qu'on a décidé de faire en fait. On ne va pas faire 100 000 dépenses les premiers mois dans cette maison, même, je dirais même la première année. Mais celle-là, on voulait le faire pour que ça soit, voilà, que ça soit fait parce que quand enlever le pop-corn au plafond, je ne sais pas si vous voyez, c'est le plafond en goutte d'eau comme ça, qui fait assez ancien finalement, assez daté, et ben ça prend beaucoup de travail, ça, en général ça pourrit un peu tous les murs, donc on est obligé de refaire les peintures en fait dans la foulée souvent, et du coup c'est mieux de le faire quand il n'y a rien parce que ça met beaucoup de poussière et beaucoup de bazar. Donc voilà, j'ai pas envie de me gourer et de regretter après et tout. Donc je pense que là, comme les enfants ne sont pas là, je vais faire un swatch beaucoup plus grand de celui-là pour voir un peu. Et je vais aussi peindre un peu là, la cage d'escalier pour voir si ça me choque. Parce que là, j'ai l'impression que ça ressort beaucoup, mais peut-être que si tout est blanc après, je vais plus. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas décoratrice d'intérieur, hein, c'est un vrai métier. Mais c'est vrai que par contre, j'arrive à me projeter et à me dire que, oula, peut-être qu'une fois que tout sera blanc, cette cage d'escalier va être beaucoup trop taupe et grise, j'en sais rien. Je vais voir.